des gestes de premier secours se faire à s'occuper de la victime. Et la personne qui n'a aucune formation s'est appliquée à faire le 18 pour appeler les secours. Ces personnes ont des formations et pour nous c'est très important parce qu'ils peuvent maintenir en vie ou conscient les victimes jusqu'à l'arrivée des secours. Donc vous allez voir arriver trois véhicules de secours, une ambulance pour porter les victimes, un véhicule de secours routier équipé d'incendie, de balisage et matériel de désincarcération, et une VL de médical aujourd'hui agréée par un infirmier. Nos véhicules sont hiérarchisés. Dans chaque véhicule, on trouve un conducteur et un ou plusieurs certificats. Toutes les interventions sont sous la responsabilité du chef d'avec qui dirige les équipages. Dans ce cas de l'intervention, il y a plusieurs véhicules. Le COS, qu'on appelle dans l'ordre d'opération de secours, est le chef d'avec le plus lourd, le plus ancien dans le grade de fusion. Dans ce cas, c'est bon. Le beau camion rouge qui rentre actuellement sur le point. Et en place pour les bilans et les soins sur la victime. Et le deuxième chantier va se mettre en place derrière le véhicule, ce qu'on appelle le balisage, qui nous permet de sécuriser la zone d'intervention pour éviter un suraccident et pour sécuriser les intervenants. Alors, le chef du secours routier a pris en charge les témoins, car ils sont pour nous source de renseignements importants. Ils ont été témoins, donc on peut reprendre auprès d'eux des renseignements très utiles. Et on les gardera avec nous jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Donc justement, les forces de l'ordre qui arrivent actuellement sur les lieux, leur intervention est capitale avec des interventions de ce type pour nous, parce qu'ils... continue à la sécurité de l'intervention. On se met dans un endroit stratégique, les épaules, le bassin, le cou, pour que le matelas, que le vide se fait, épouse parfaitement la forme de la victime. La démonstration est maintenant terminée. Je remercie les personnes qui vont jouer le rôle des témoins. Vous voyez tout ça là.
intervention un petit peu plus musclée. Vous voyez que là, le collègue, justement, tient le visage de l'individu, justement, pour pas qu'il lui mette un coup de tête, justement, pour éviter de se faire mordre. Donc, c'est très important, justement, d'avoir des gestes comme ça, parce que tout individu énervé peut, à tout moment, nous mordre, nous griffer ou nous saisir. Voilà. Voilà. Donc, c'est bon, messieurs.